Salut tout le monde, c'est Bayzy, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un let's play très spécial car je suis enfin en compagnie de Xerkoz, ça faisait longtemps et on est sur Terraria pour commencer un petit let's play très sympa. Salut Xerkoz. Salut. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur Terraria 360, donc c'est pas sur le PC. On a acheté ce jeu il y a pas longtemps, juste hier. Et on a déjà fait tout ça, enfin on a à peu près appris comment... On a appris comment jouer, on s'est fait des petites baraques. Alors c'est un jeu à peu près comme Minecraft, sauf que c'est vraiment en 2D. C'est un jeu de plateforme. Donc au début je me suis dit que j'allais vraiment pas prendre goût, mais après on y prend goût comme sur du Minecraft. On a vraiment envie de faire beaucoup de choses. Donc il faut miner, etc. C'est pas les crafts, etc. Par exemple pour faire des... Enfin on peut faire des toilettes, plein de choses. Donc là vous pouvez voir plein d'autres gens. Donc c'est pas des amis etc qui sont dans le monde. C'est vraiment c'est des PNJ. C'est le truc qu'il n'y a pas sur Minecraft. Par exemple il y a une PNJ, là c'est une infirmière. Du coup vous pouvez aller la voir pour qu'elle vous soigne. Bon bien sûr quand vous avez plus beaucoup de cœur. Donc alors voilà, les mondes, on retrouve aussi les biomes comme dans Minecraft. Et c'est un jeu bien sympa, Xerkoz et moi on a bien kiffé hier, on a bien squatté. Et je propose qu'on aille, qu'on va aller explorer. Donc voilà, là c'est la maison de Xerkoz. Et là c'est ma maison, avec toujours les PNJ, donc c'est des vendeurs. Alors Xerkoz, je te propose que j'aille, je vais aller te faire une épée en plomb, ça te dit ou? Allez. Parce que comme ça au moins... Sur le Keblo. Donc alors, il n'y a pas les mêmes matériaux aussi, il y a du cuivre, il y a du plomb, il y a toujours l'or, etc. Je sais pas s'il y a le diamant. Et ah oui, tu vois aussi, Xerkoz, tu sais, je t'avais dit en mine, j'avais trouvé le cœur, un cœur. Oui. Et en fait, t'aurais dû venir avec moi, parce que quand on le casse, on aurait eu un cœur de plus tous les deux, alors que là, il y a... Vas-y, au pire, on va en rechercher un. Ouais, au pire. Non, mais là, il fait jour, du coup, on va essayer de faire un autre truc. Je pourrais même faire des... C'est quoi ça? Des chaînes, on peut faire des chaînes. Ah, il y a un seau vide aussi. Par contre, c'est combien? C'est 3. Ok. On pourra faire des haches. Hein, des pioches en plomb aussi, vas-y, j'en fais une. Ah mais non, il en faut 12. Ok, donc je vais nous faire pour chacun une épée. Faudra vraiment aller miner du plomb, comme ça au moins. Épée longue en plomb. Allez, une. Voilà. Tiens, je vais te la passer, viens ici. Hop là. Voilà. Alors, moi je vais poser la mienne. Donc alors voilà, premier épisode vraiment au feeling. Parce que je sais pas trop ce qu'on va faire dans cet épisode. On va bien voir. Donc certainement on va aller aplanir pas loin vers la droite là. Pour faire comme un immeuble. Je pensais que ouais, avec Zarko on pensait faire un petit immeuble pour tout simplement mettre les PNJ dedans. Alors. Merde, si j'ai encore de la place dans ce coffre là. Hop là, voilà. Épée court en cuir. Ça c'est ici. Ok, donc Xerkoz, je te propose d'aller faire ça là-bas. Allez. Si tu veux. Donc voilà, parle un petit peu aussi Xerkoz, parce que ça faisait longtemps que les abonnés t'avaient pas entendu parler quand même. Bah ouais, moi quand je parle, j'ai des conneries donc. Des conneries, ça fait zizir. Y'a un connerie. Donc alors le programme de chaque vidéo sur Terraria, donc là c'est le premier let's play. Je m'étais dit de recommencer un monde pour vous faire le let's play, mais avec Xerkoz on s'est dit que c'était vraiment trop long de recommencer un monde. Et pire. Là on va essayer d'aplanir tout ça. Donc voilà pour programme. Moi je vais au-dessus. Vas-y. Donc le programme dans Terraria, nous ça va être comme sur Minecraft à peu près. Moi ça va être la journée on fait des trucs dehors. Et comme il y a vraiment beaucoup de monstres sur Terraria, même le jour. Ouais, même le jour et surtout la nuit en fait c'est comme s'ils venaient tous à nous. C'est pas comme sur Minecraft. Du coup la nuit on ira miner beaucoup plus profondément. Donc aussi quand on appuie sur Select on peut voir la minimap. On peut voir tous les bâtiments, les personnes qui sont là, tout ce qu'on a exploré. On peut voir qu'il y a encore beaucoup de profondeur, même de hauteur. Moi, de l'autre côté, je suis allé jusqu'à là, la jungle. Et donc voilà. Je suis vraiment allé explorer très très loin. Donc aussi, on peut pas se perdre. Enfin, si on se balade, on peut pas se perdre parce que c'est soit à droite, soit à gauche de toute façon. Il n'y a pas à se casser la tête. Et donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir, ce petit let's play là. Voilà, tout est dit, maintenant on va essayer un petit peu de miner tout simplement. Ou merde,
Ah bah si, faut que je fasse ici. N'hésite pas à parler, Xarkoz. Hein. Il a rien à dire. Ouais, c'est ça. Bah si, tu dis tout et rien, tu dis ah, je casse de la bouse. Je casse encore de la bouse. C'est bien aussi. Hop. Casse toujours de la bouse. De la bouse. Tu veux voir me casser de la bouse? Live bien chiante. Vous avez fait quoi dans le live quand on a cassé de la bouse? Alors en fait, ce qui est chiant aussi, c'est bah voilà, ça, c'est un petit peu un épisode découverte aussi pour ceux qui ne connaissent pas Terraria, c'est qu'en fait derrière il y a encore de la terre et il faut le casser avec le marteau. Enfin c'est vraiment bizarre à comprendre au début, mais après quand on est dedans, on comprend très très rapidement. Ça je vais essayer de l'enlever. Merde. Au pire attends. Voilà. Je vais m'occuper du. Yeah. Ok. Occupe-toi d'en haut. Ouais. Ouais. Bah au fur et à mesure je vais essayer d'enlever ça. Donc là on va essayer de faire un petit immeuble avec des petits appartements, comme ça on pourra loger tous les gens qui arrivent, parce que en fait pour faire un appartement et qu'un PNJ arrive, il faut faire une maison avec des murs, etc., de la lumière, et juste mettre une table et une chaise, et du coup après bah ils viennent directement ici, installent quoi. Par contre j'ai vu que Xarkoz, tu vois que dans les maisons des PNJ, avant il y avait la photo et là il y a plus. Photo. Ouais, tu vois, il y avait la photo de leur tête. Ah ouais. Mais là, il y est plus, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'après ça part. Peut-être attendre la nuit ou une connerie comme ça. Ouais, je sais pas du tout. Hop. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment une grande montagne. On aura bientôt fini de tout la merde. De tout la planir. Je vais essayer de finir ça. Hop là. Ouais. Ah, par contre. Voilà, ce côté il est là. Je vais taper des coups de marteau maintenant. Hop ici. Voilà. Par contre ce qui est chiant c'est que. Bah, en fait pour le marteau c'est vraiment bizarre quoi. Et il faut sauter, enfin. On peut pas monter dessus. Ok. On aurait peut-être pas dû, j'aurais peut-être pas dû tout casser tout de suite avec le marteau. Donc voilà, petit passage mine quand même. On mine, enfin c'est pas qu'on est en train de miner, on est en train d'aplanir, du terraforming plutôt. Après on ira miner avec les monstres, il y aura plus de comment ça s'appelle, d'action. Alors, hop, je vais essayer de casser tout ça. Ok, bon, c'est pas grave. Si au pire, je vais faire ça. Vas-y, je laisse. Je crois qu'on va laisser la torche là-haut. Ouais. Fais comme tu veux. Hop. Ah merde. Hop. Alors. Voilà, on a cassé ça. Je vais essayer de casser tout ça encore. Voilà. Donc désolé si on parle pas trop, c'est vraiment le premier let's play. Dites-nous aussi si vous voulez carrément, donnez-nous des objectifs. Je crois bien que, enfin j'ai vu dans des vidéos, parce que je me suis un petit peu informé avant de faire ce let's play. Donc il y aura des boss à tuer, on pourra faire des armes aussi, des armes à feu. Genre des pistolets, des trucs comme ça, mais ça reste vraiment... Bah, on va le découvrir ensemble avec vous. Parce que ça fait peut-être faire un tunnel pour éviter les yeux là, tu sais, qui t'attaquent. Ouais, au pire, ouais, on pourra faire un tunnel, mais ouais. Ça c'est après. Cette nuit on va éliminer. On va essayer d'éliminer pour essayer de trouver de l'or et du plomb. C'est garde à peu près ça, ouais, de hauteur. De quoi? C'est d'éviter de casser, comme ça quand on va faire le tunnel, ça va faire un mur. Ouais. Et là tu parles de la hauteur de quoi? De ce que tu es en train de casser. Ah bon? Non mais pourquoi tu veux faire un tunnel? Bah tu sais les monstres qui t'attaquent le soir, si on veut passer par là. Ah ouais, faut ça. Bah en fait là on pourra pas faire un tunnel, enfin on pourra le faire plus bas parce que sinon là si on fait un tunnel ici, comme c'est là où on va faire l'immeuble. Ah oui ouais c'est vrai, pas con. Ok ma mère. Il veut faire un tunnel où on veut faire l'immeuble, d'accord. Les Portugais ne sont pas d'accord hein. Bon on fait du zizicoptère hein, c'est un petit peu ça dans Terraria, zizicoptère. Vas-y, bon je vais poser un bloc parce que ça a pas l'air de vouloir. Ouais, en fait, ouais, faut. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut poser un bloc pour.
Faut pas que je te le casse aussi. Merci de me bloquer le passage. Non mais c'est sympa. Hop. Petit épisode je pense de 20 minutes. Ouais. Voilà, comme ça vous aurez vu notre commencement de ville. Encore une fois, c'est vraiment que depuis hier qu'on joue. Hier on a bien squatté. La petite excuse du. C'est pas ma faute si je suis nul. C'est pas ma. Ah ouais. Si on connaît. Après, si vous y connaissez. Si vous connaissez quelque chose, hein, bah dites-nous dans les commentaires ce qu'il faut faire. Enfin, le but du jeu surtout. Des conseils, etc. On vous écoutera bien entendu. Hop. Voilà, aussi pas de facecam parce que. Bah, quand je ferai des épisodes à deux. Bah, il y aura pas de facecam tout simplement. Il y en a vite. Il y en a vite. Comparé à Minecraft aussi, les stacks de n'importe quoi, c'est pas limité à 64. Par exemple, là j'ai 806 de bouse, c'est limité à 1000, à 999, je crois. Et ben voilà, on a aplanique, Zarko. J'arrive pas à reposer de la bouse. Du coup, on fait. On pourrait faire l'immeuble en quoi? On le fait en pierre ou en bois? En pierre? Pierre et intérieur bois. Ok, classique. Y a pas de problème, vas-y. Vas-y, attends, fais déjà un petit sol en pierre. Un petit sol en pierre ou en terre? Pas en terre, en bois. En pierre? Petit sol en bois, pas mal. En bois, ok. Allez. Vas-y, bon, attends, je vais creuser un peu pour voir ce qu'il y a en bas. Vas-y. Bah, il doit avoir une grotte, certainement. Hop, donc là, on va tout aplanir. Il va bientôt faire nuit, on va bientôt éliminer. On aplanit tout. Et le bois, où j'ai mis le bois? Ici. Donc alors aussi, il y a des... Avec les étoiles filantes, donc je vous explique un petit peu tout, si vous connaissez pas. Donc on a des... On peut faire des flèches enflammées, des flèches avec des étoiles filantes aussi, je sais plus comment trop ça s'appelle. Des flèches bizarres. On a des... Enfin, quand on tue les slimes, il y a souvent des slimes. Là, on n'en a pas vu ce jour-ci. Mais il y a des slimes verts, des slimes gelés, etc. Suivant le biome où on est. Et ça donne des gels pour faire des... des torches. C'est le matériau pour faire des torches. Hop. Il faudrait que je fasse quoi, là? Voilà, je vais essayer d'enlever tout ça. Tac. Hop là, voilà. C'est tout fait. Alors le bois, où je l'ai mis? Il est ici. Ok. Hop, on va mettre du bois. Tout ici. Faut pas louper. Il faut pas se louper. Donc après, ouais, je verrai s'il y a des... En fait, vraiment, ça reste tout à voir. J'arrête pas de dire je verrai, parce que je connais vraiment rien du tout à ce jeu. Je vais voir s'il y a d'autres matériaux. Là, pour l'instant, on fait tout en pierre et en bois. Ouais, Xarko, j'ai mis le sol. Il faudra juste que tu... Non, je vais faire les pierres. Je vais faire les pierres. Enfin, les pierres, les portes plutôt. Alors, les portes, elles sont où? Ici. Donc, même principe que Minecraft, un établi. C'est pas très compliqué. Hein. Deux portes. Alors, on va en mettre une. Ici. Les portes qui... Ouais, contrairement à Minecraft, ça prend 3 de haut, je crois. Ouais. 3 de haut, ouais. Alors. Merde. J'en ai cassé une de trop. Voilà, donc j'ai mis les deux portes pour l'instant. On va faire le premier étage. Entre les étages, c'est toujours de la pierre. On va mettre le sol en pierre, ouais. Ouais, ok. Donc on fait vraiment des trucs basiques. Bah après les murs on pourra les faire après. Bon, la nuit est tombée, je te propose qu'on aille miner. Allez. On aille miner tous les deux. C'est parti. Bah on se rejoint dans ma baraque de toute façon. J'ai creusé un peu le tunnel. Ouais ok. C'est parti. Merde. Bon, je fais pour mon. Donc là si vous voulez savoir ce que c'est ce grand poteau en pierre qui part tout en haut, c'est Xerkos qui s'est suicidé carrément. Le jeu le saoulait, du coup il en a eu marre de la vie et tout s'est passé trop vite. Allez, putain. Je vais mettre une torche, c'est un petit peu sombre. Donc là c'est la baraque avec Xerkos. Avec un joli lit en forme de...
Enfin, le lit bizarre, il l'a fait avec de la neige, je crois. Il y a vraiment le peintre qui a... Oh, c'est le seul PNJ qui sort pas de chez toi. Il est jamais sorti. Je crois qu'il a signé chez moi. Ouais, enfin, ou peut-être qu'il est monté à la corde, il peut plus redescendre. Je sais pas. Ouais. Alors, donc je pense que je vais vérifier qu'on a tout pour l'expédition. Voilà, c'est bon, on a tout, on devrait avoir tout. Est-ce que tu peux me creuser une sortie, s'il te plaît? Une sortie. Ouf. Où t'es là-bas là? Tu vas vite comprendre. Ok. Alors il faut savoir que Xerko c'est Monsieur Fail aussi. Hein. Il m'avait fait un toit, enfin il avait, c'était lui qui avait fait mon toit pour ma maison et il... Tu fais quoi mec? What the fuck? Bah, c'est que tunnel, là faut fait... que tu creuses un petit peu plus en bas parce que sinon tu vas passer dans sa maison. Allez hop, on replonge. Putain mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah attends, je vais te rejoindre mais par l'entrée de ton truc bizarroïde. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Ça existe la lumière chez toi ou quoi? Ouais. Ouais. Sauf que il est tellement radin qu'il veut pas gaspiller, tu sais. Ouais, c'est ça. Allez. C'est parti, on va creuser. Au pire, ouais, le tunnel en... Moi, je sais pas, le tunnel en pierre. Pire, dès qu'on arrive aux maisons, on creuse juste en dessous. Bah ouais, de toute façon, là, c'est pile poil en dessous que ça va passer. C'est pile poil en dessous. Et je te fais la lumière. Ah, merci. En fait, ça, il est gentil parce qu'en fait, il a la flemme de creuser, du coup, il tient la torche. Voilà, voilà, le flemmard. Même dans Terraria, c'est un peu plus rare. Pina Bala Jaletai. On va le faire, on va le faire. Pina Bala Jaletai. Yeah, yeah, yeah. Donc en ce moment, bah, vous aurez une petite musique qui fait plaisir. Ah. Donc voilà, c'est fini. Le petit moment Pina Bala Jaletai, c'est fini. Je le mettrai au... Enfin, vous l'aurez entendu au montage. Alors... Je sais pas pourquoi t'as voulu faire un tunnel. Ah oui, pour les monstres. Mais même, tu sais que même dans le tunnel, il y a des monstres. Mais t'inquiète. Il pourra avoir des monstres. C'est pas sûr. Voilà. Ah bah, ah, du coup, ouais. On a trouvé du plomb. On a trouvé du plomb, ma gueule. Tiens, je vais mettre une petite allumette. Enfin, une allumette. Une allumette. M'as compris. Non, je comprends pas, c'est quoi, hein. T'es pyromane. D'accord. Bah, moi, je creuse le plomb. Rien à foutre. Ah non, peut-être que c'est Xerkos qui le creuse aussi. Après, ouais, garde-le bien, tu pourras te faire des pioches. Enfin, moi, je continue à creuser. Par contre, ouais, du coup, après, on va arriver dans... On va arriver, C'est du plomb et ouais. Du bois. Du plomb, du bois. C'est avec une pioche en bois. Comment tu... Bah, je sais pas, mais c'est dans le truc. Après, on peut. Si t'as du plomb, si t'as assez de plomb, essaie de voir si tu peux te faire une pioche en plomb, tout simplement. C'est aux ateliers de crafting, ouais. Non, c'est. Il faut une enclume. Ok. Et moi, j'en ai une chez moi. Non, au pire, fais-toi une enclume. En fait, tu fais une enclume avec des. Tu vois, t'as une fournaise chez toi. Ouais. Et ben, tu te mets sur la fournaise et tu fais chauffer les lingots. Du coup, ça va faire des lingots, tu vois, le minerai, comme sur Minecraft. Et après, avec 5 lingots, je crois, tu peux faire une enclume. Enfin, niveau Minecraft, pas un crafting. J'ai ah ouais. Donc, il est nul de partout. C'est cool à savoir, il est nul de partout. Alors. Hop là, et ben voilà le tunnel qui se termine. Et voilà. C'était presque un petit peu plus dur pour moi de faire une canne à pêche. Quoi? Ah, ok. Carrément, bon, moi je vais aller miner, hein. Tu me rejoindras. Tu iras me rejoindre, je vais un petit peu. Bon, on va lui faire un cadeau à Xerkos, on va pas lui dire ce que c'est. Une pioche. On va lui faire un cadeau. Donc voilà, vous voyez ce que je suis en train de donner en vidéo, mais. Il ne le sera pas. Tu auras dans ton coffre, tu auras 300 et quelques trucs bizarres. Dans mon. Coffre, oui. Non, 575 pour être exact. Le truc le plus facile à deviner, quand même. Quelque chose que tu donnes gratuitement. Qui ressemble à de la merde. Ah! Bah, oh, je suis généreux quand même, non? Eh, hein.
Je pense que c'est sympa. Hein. Les minerais. Je peux même pas en faire chauffer, si je pense. Donc voilà, bah là, je vais vous montrer comment faire chauffer. Là, je suis sur la fournaise. On fait chauffer. On fait chauffer. Les minerais, ils sont où? Ils sont là. Ok. Bah, j'aurais pas assez de toute façon. Ah si, peut-être. Non, certainement pas. Ok, c'est pas grave. Donc c'est parti. Je vais aller miner. Let's go. Donc là, c'est la petite mine qui donne jusqu'à chez moi. Xerkos, il a fait couler de l'eau jusqu'à là pour le plaisir de l'eau. Il a essayé de me noyer. Pour le plaisir. Bon alors. Donc petit système. Le four. Vous pouvez voir le petit système qu'on a fait pour aller jusqu'en bas. Très merdique quand même. Avec des trucs de partout. Alors, on va descendre. On va descendre encore. Donc, je vais essayer. Je me mets devant le four. Donc voilà, vous voyez les mines. Les mines qu'il y a dans Terraria. Donc il y a beaucoup de cobble. Et je vais essayer d'aller trouver. Mon objectif, c'est de trouver beaucoup de plomb. Et de fer. Et du coup, je vais voir comment elle attaque là, le truc en plomb. Si elle est pas mal. Ouais, ça va, elle est pas mal, franchement. Wesh, mais c'est où? Ah oui, bah viens voir. Est-ce que t'es dans mon. Lingot de plomb. Un verre géant, de quoi? C'est des lingots de plomb qu'il me faut. Ouais. Ouais, des lingots de plomb. Donc là, vous pouvez voir que ça, c'est un truc bizarre. Et quand on le tape. Ah bah non, du coup. Non, quand on essaie de faire ça avec la mine, même pas. Parce que hier, je suis allé le voir. C'est par ici que j'ai trouvé le cœur. Qui m'a donné un cœur en plus de vie. Et quand je tapais ça, bah ça me faisait mal. Enfin, ça m'enlevait des points de vie. Du coup, je sais pas pourquoi ça. Ça fait mal. Ça le fait pas. On va essayer de continuer à explorer. Qu'est-ce qu'il fait, le zombie? On va le tuer. Hein. Ça fait mal. Tac, et une fois que j'ai mon enclume, je fais quoi? Je fais là. Une fois que t'as ton enclume, tu fais ce que tu veux, ma gueule. Après, tu fais une épée. C'est dans pioche. Ah, un coffre. Ah, bah dans le coffre, il y a des lingots de cuivre. Ah, il me faut 12 lingots. Voilà aussi, on trouve beaucoup de coffres. Dans ce jeu. Non, t'es sérieux? Il y a 3 grenades dans le coffre. Il y a même un boomerang en bois. Attends, faudrait qu'on essaye de le lancer. Je sais pas si on peut le lancer. Il y a une potion de rapidité. Dites-moi un boomerang, ça se lance. Non, mais oui, mais après, on sait jamais. Donc Il m'énerve. Hop, bon allez, on va descendre encore plus loin. Faudrait pas que je tombe quand même. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on. Enfin, il y a beaucoup de choses qui est bien. Franchement, depuis le début de la vidéo, je pense que vous en avez marre des choses qui sont bien. Mais bon, alors. C'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses, voilà. Les plateformes en bois, je vais essayer d'en mettre. Non, je vais m'en faire beaucoup plus quand même. T'aurais pas des lingots de plomb chez toi? Non. Non, mais c'est pas pour toi. Oh. Il essaie de me vider. C'est n'importe quoi. Faut vraiment. T'es parti là-dedans, toi. Okay. Ouais, tout là-dedans. Tu veux que je vienne te chercher ou pas? Bah viens à ma rencontre. Ok. Bah c'est venir te chercher. Quoi. J'ai pris mon allumette. Attends. Il veut vraiment pas gaspiller, quoi. Il est le mec. Ah non, moi je pose pas. Moi je. Radin je... jusqu'au bout de la life, moi rien à foutre. C'est trop casse-couille à fabriquer, donc. Hein. Par contre, pour remonter. Ce qu'il faut savoir que aussi Xerkos ne comprend pas la moitié de ce qu'il fait. Voilà. Donc je creuse de la bouse. Je m'éclate. Tiens, vas-y, viens ici. C'est là, tu vas voir où j'ai trouvé le cœur. De toute façon, t'es pas loin de moi. Hein, t'as juste à regarder ma petite tête. Voilà, ici, t'es là. Et tu vois, c'est ça. Là, j'ai trouvé un cœur. Et ça, hier, je le tapais, ça faisait mal. Mais là, non. Et je vais essayer de descendre encore. What? Ah bah, je suis descendu, c'est fait. Oh, y'a de l'or! Y'a de l'or, mec. Faut le buter en combien de temps, là? De quoi? Parce que ça fait mal aussi. Ah bah ouais, mais il va te tuer avant, hein. Faut pas le buter en fait. Ok, Xerkos le fail. C'est quoi, c'est de l'or? Dis-moi. What? Mais en fait, c'est pourquoi faut pas le taper avec. Oh, j'ai trouvé une mine. Tape-le avec un marteau. De quoi? Ah mais c'est avec un marteau, ça doit être pour ça. What? Oh, y a vraiment tout qui est en train de m'attaquer. Je suis descendu trop bas en fait. Alors... Je vais essayer de poser une torche. Voilà. What? Il y a des slimes rouges. J'ai trouvé une mine. Comme une mine abandonnée en fait. Oh, il y a des coffres de partout. C'est cool. J'ai un œil de démon. Non, je me casse moi.
Ah, mais leur musique, elle commence à prendre la tête. Bah, moi, je l'ai pas dans les oreilles, donc. Ça, c'est fait. Hop. Je sais pas si c'est de l'or. Dis-moi que c'est de l'or. Bloc de sable. Ok, tous mes rêves se sont envolés. De quoi, c'est où que t'as trouvé ton cœur, alors? De quoi? Là, bah, c'est où il y a le truc qui tape. C'est à peu près par là. Et genre, il était où? Genre, il était où, quoi? Genre, enfin, t'as fait comment pour la bouffe? Eh ben, je l'ai cassé, tout simplement. Vas-y, en fait, il y en avait Et là, qu'un. Je suis tout en bas. Faudrait que tu viennes voir, comme ça, après, on pourra... Ouais, je vais me retirer deux cœurs. C'est quoi? C'est du sable, ça? Attends. Je vais essayer de mettre des plateformes. Ok, donc je suis pas dans la merde, quoi. Ok, c'est des os, ça. Et tu vois, pour monter et redescendre, on va faire ça. Tu mets des petites plateformes, comme ça, tu restes. Ouais, t'inquiète. Essaie d'aller voir le coffre qui est en bas, après tu me dis ce qu'il y a dedans. Le coffre qu'il est en bas. Tu vois, est-ce que tu vois? Ah ouais. Attends, on va péter ça en dessous de nos jambes. Alors ça, c'est une petite astuce aussi à savoir. Si vous voulez jouer à Terraria, vous mettez des plateformes, comme ça vous pouvez descendre et remonter sans problème. Faible potion de... Oh! Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si ici il y aura de l'or. Alors, il y a quoi en bas? J'ai eu un boomerang. Il y a eu que ça? Et d'autres trucs de merde. Ça va. Attends, tu sais quoi? On va percer en bas pour que ça fasse un... Ouais. C'est qui ça? Ah, mais on a fait... Attends, dis-moi... Attends, on a fait... Dans la petite cabane, je suis sûr. Ah ouais? Ouais, je vais crever, moi. Comment on va remonter? Ok, donc bah, on va certainement crever, voilà. C'est ta faute, Zerkos. Ouais, donc là, ça ressemble à comme une mine abandonnée ou je sais pas trop quoi. Attends, bah je prends le tableau. Ouais, vas-y. Par contre, comment on fait pour remonter, nous? Mais au pire, creuse en bas. Comme ça, l'eau, elle se barre. Attends, t'inquiète. T'as de l'or, en plus, là-dedans. Ah, où? Juste sous tes pieds. Non, c'est pas de l'or, ça. Si, t'inquiète, ça brillait. Ah ouais, c'est de l'or. Attends. Je vais essayer de casser ça, rate, comme ça on peut remonter. Non, même pas. Si, voilà, on peut remonter. Attends, je te fais un petit truc en bouse. Xarkoz. Okay. Ah ouais, mais t'as pas pensé Il à... Il fait jour, bien. Ah, ok, bah j'arrive. Bah attendez, donc je vais... Je prends le minerai, je prends les minerais. T'es sûr que c'était de l'or? De quoi? Le boomerang, il marche trop bien. Ah ouais? Ça doit être bête. Je vais prendre tous les minerais. Parce que j'en ai besoin pour une pioche. Après, tu vois, avec tes minerais, tu peux te faire une pioche en plomb aussi. Hop. Je vais aller voir ça, justement. Tac. Tac. Du coup, j'ai drop un coffre d'or. Oups là, un coffre d'or. Vas-y. Bah, moi, il y a du sable. Ça faudrait vraiment que j'éclaire. Ah, voilà. Là, on va se le mettre là. Ouais, non, là, c'est de la cobble, je m'en fous. Coprinouné. Non, c'est bloc de cuivre, je sais pas. Je voulais pas là. Bon, allez, je vais partir. Je vais continuer. Ah, bah là, ça. Waouh, 28 minutes déjà. Sérieux? Ouais, 28 minutes. Bon, c'est pas grave, ce sera un épisode long. Hein. On s'en fout, vite, on est vraiment dans le truc. Putain, ça passe super vite, gros. J'ai cru qu'il faisait que 20 minutes là. Mais non, 28 minutes. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez regarder les épisodes en entier, ça nous ferait vraiment plaisir. Hop. Ouais, j'ai eu une bombe. T'as eu une bombe? Ok, normal. Hop. Bon, pour le rendu, c'est moi qui vais galère, mais bon. Parce que, Xarkoz, j'avais fait une vidéo de 25 minutes, ça avait mis 2 heures. Bon. Je sais pas si c'est Sony Vegas ou si c'est mon PC tout simplement qui bug un truc de ouf. Ah, j'ai des minerais d'argent, c'est cool ça. Qui bug sa mère, t'as vu? Minerais d'argent, c'est cool. Ça fait zizir. Ça fait zizir. Ça fait zizir. Bon, voilà, je peux pas descendre jusqu'au bout, c'est pas grave. Comment j'étais descendu, moi, du coup? Parce que je suis pas dans la merde pour remonter. Sans mourir. Parce que je suis pas comme Xarkoz, voilà. Moi, je veux pas mourir, moi. Rien à foutre.
Non, je me bats la écoute. Hein. Hop. Je vais essayer de mettre ça là. Non, mais pas. Ok, c'est bon, j'ai compris. Hop. Je vais essayer de mettre des plateformes. Plateforme, c'est ici. Bon, je peux faire un saut. Mais la pioche, en fait, je me la carre dans le... Ah ouais, pourquoi? Je sais pas... Ouais, il y en a un qui est chez moi, je te jure, il y en a un qui est... Ici, attends, je vais voir qui c'est qui est arrivé. C'est un mec, il s'appelle Eurist, c'est quoi? Vend des explosifs. Ah ouais, carrément, le... Le gros. Ah, c'est pour ça, peut-être, qu'on en a eu. Je sais pas. Nous en a offert en cadeau, t'as vu? Ah ouais, peut-être. Non, mais moi, j'avais trouvé dans un coffre de la dynamite, donc... Ok, je peux pas encore sortir. Voilà, je vais bientôt pouvoir sortir. C'est bon. Ah oui, il est là, il est dans la pioche. Je sais pas combien j'ai de minerais. De plomb, j'en ai que 13, ouais. Bah, ça suffira pour ma pioche. Ok, donc je suis en train de galérer. C'est pas grave. Par contre, il faut pas qu'il me fasse. C'est bon, j'ai réussi. Yes. Allez, 11 barres. C'est avec un marteau, donc ça fait mal les trucs rouges là qui étaient ouais. Bizarres. Ok. Ouais. Donc là, chemin retour. Hop. Bah, du coup, on fera le building pour l'autre épisode. Merde. On fera le building pour l'autre épisode. Écoutez. Bah, je vais mettre des... Voilà. J'ai mis des plateformes en bois pour que ça aille plus vite. C'est vraiment pratique, ça. Tu peux passer à travers. Épée longue en plomb, papa. Ah, le jour, putain, ça fait plaisir de le voir. Donc voilà, je pense pas que je vais faire une vidéo de 40 minutes quand même. Moi, Exarchos, on espère que ce premier épisode du Let's Play sur notre monde, sur Terraria, épisode découverte, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire tourner la chaîne, etc. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça fait encore une fois beaucoup de n'hésitez pas, mais bon, c'est pas grave. Et faut pas hésiter. Exarchos, on va vous concocter encore des petits Let's Play bien sympas. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Salut.